Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure sur Echina Bridge of Spirits, le pont des esprits, toujours sur PlayStation 5. Évidemment, c'est une exclusivité console PS4, PS5 et en plus de cela, c'est disponible sur PC et c'est une exclusivité sur PC Epic Games. On reprend donc notre aventure qui s'annonce tout autant féerique que les deux premiers épisodes et on reprend aussi là où nous en étions, c'est-à-dire qu'on était à deux doigts de retrouver l'enfant perdu. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un petit nœud. Un petit nœud. Je veux mon neveu, ce petit nœud. Ok, un petit nœud à mettre sur un rod, ça c'est cool. Vous savez quoi? On va le faire de ce pas. Non. Ah mais non, on pouvait pas. My bad. On peut pas parce que je crois que si on regarde bien, il faut aller dans une boutique pour pouvoir équiper justement ce nœud-là. Là, on n'a rien. Donc, c'était par ici la suite de notre aventure. Et c'était par ici que, apparemment, là où on avait perdu des traces du jeune homme, c'était près du temple. Ça, oui. Ça ne présage rien de bon. Oh non! Oh, Miskin! Oh, Bichette! Ok, on a un esprit à suivre. Ok. T'as l'ambiance. Ah! D'accord, ok. L'ambiance vient de changer du tout au tout. Assez terrible. Bon, bienvenue en enfer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ma part là ou pas? Let's go. Oh là là, c'est quand même magnifique. Hein. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vu en portant le masque de Taro? Taro est ici, mais il a oublié qui il est. Nous devons trouver trois reliques pour l'aider à s'en souvenir. La forêt est immense, comment allons-nous savoir où chercher? Peut-être que Monsieur Rousseau peut nous aider. Sa maison se trouve par là. Bon! Eh bon, on va aller voir Monsieur Rousseau, ou Rousseau, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Sa maison, c'est par là. Oh là là, c'est gigantesque. Attendez, là, je reconnais, c'est la South. Y a plein d'endroits où aller. Et je suis sûr que il doit y avoir des petits rots à gauche, à droite. C'est obligé. Ok, on peut repasser par là. On a des petits champotes là-haut. Ah, mine de rien, c'est un peu plus ouvert que ce que je pensais. Allez, prenez les potes. Allez, bouffez-moi ça. Bon. On va aller fouiller quand même un petit peu les extérieurs. Ça serait dommage de louper quelque chose. On peut aller à la nage. Je pense que ça fait le tour, non? Je pense que cela fait le tour. Attendez, on va voir. J'ai pas envie de mourir noyé, hein. On connaît ces jeux. Ces jeux où tu peux pas t'aventurer à plus de 3 mètres parce que tu meurs noyé, tu ne sais pas comment. Ah, d'accord, ok. Ok, il y a un barrage. De toute évidence... Ah, quoique, attendez, regardez. Eh, je l'ai vu, le petit coquelicot. Oh, je l'ai vu, le petit coquelicot. Ok, ça, je ne peux rien faire pour le moment. Avec les rottes, un coffre, c'est de l'argent. Et là, on pouvait monter. Oh, ça, c'est Sugoi. Je pense qu'il me manque le fameux pouvoir où on peut transformer le bâton. Ouais.
Ok. Il me manque le fameux pouvoir où on peut transformer le bâton en... en arbalète. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des trucs en hauteur. Ah! Ah! Ok. Très bien. Hop, ça c'est fait. Pas moi, Zinedine. Et ça donne quoi? Ok. Très bien. Et ça donne quoi, je disais? D'accord, pas grand chose. On a surtout désenchanté la pierre. Ou en tout cas, ce qui s'est caché en dessous. Ah, ben non, mais un rot! Très bien, trop bien même. Allez, encore un retrouvé, ok. Ok, ok, ok. Donc là, on a trouvé notre rot. C'est plutôt une bonne nouvelle. Plus on a de rot, plus on rit, évidemment. Ok. Et là, bon, bah, écoutez, ça me paraît toute somme classique, n'est-ce pas? Ah, 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 j'ai rien dit. Est-ce que vous voulez qu'on se TP en vrai, non? Non, 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 on va pas se TP. On va pas se TP, on va attendre de finir cette petite quête. Et après, on mettra les petits nœuds papillons et tout sur mes rotes. Ah, bah, j'ai hâte de les custom un peu. Je vais les pimper, c'est rough, hein, donc... ok, là-haut, il y a quelque chose. On va faire un petit tour. Ok. Ok, bon, on va pas trop s'éloigner. On va pas trop s'éloigner. Je veux pas de problème. Et là, on est face à des sérieux problèmes. On va aller à la maison de Ruzu tranquillement. Et on va voir un peu ce que le frérot nous voulait. Ou en tout cas, en quoi il peut nous aider. Ah, quoique... Oh, oh, attendez. Attendez, ça vaut peut-être le coup, là, s'il y a un Rotz. Ok, il m'a tabassé la gueule dans les règles. Dans les règles de l'art. Ok, ok, ok. Bah les gars, je suis à deux doigts de canner. Let's go. On a eu très très chaud, vrai. Ok. Il y a forcément un petit bail là, non? Un petit bail de Dubaï. Non, il y a rien du tout, les gars. Je me fais chier dessus là. Oh là là, avec la musique, c'est tellement stylé. Mais tout est tellement stylé. Oh, Sugoi! Un chariot de chapeau découvert. Hop. Allez. On va aller là. La boutique. Bon. Porter des chapeaux. Ah oui, ça c'est mes bonus. J'ai le bâton digital de luxe, on va voir. Je peux avoir un rod doré, ça c'est cool. Hop, un rod qui fait la faute. Un autre rod avec un gâteau. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça, je veux ça, mon pote. Voilà. Et... oh, un rod renard! Je prends. Ah bah moi je suis gaga de ça. Hein. Et ben voilà. On les a déjà pas mal pimp. Hop, ça on prend. Et évidemment. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous kiffez le jeu. Moi, personnellement, je suis toujours autant kiff. Je le trouve tellement... Je pense que le meilleur mot, c'est littéralement féerique. Je le trouve tellement féerique. Ah, il est là, mon rot, avec son petit nœud, regardez. Tous mes rots, mes copains, mes cousins. Ok. Ça sent la mort par ici. Ah non. C'est bon. Très très bien. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh, regardez ce qu'on a là. Tiens, tiens, tiens. Allez, prenez les potes.
Mangez. Mangez, régalez-vous. C'est Bibi qui régale, évidemment. Et on est parti direction la maison de Ruzo. En espérant qu'il nous apprenne beaucoup de choses très intéressantes. Ah, au fait, vous avez vu mon nouveau bâton? Stylé, hein? Ok. Ça, c'est activé. Oh là! Sugoi. Oh, c'est elle, la maison, frère! Trop bien. C'est le boss. Ok. La maison de Ruzo est très éloignée. D'accord, donc c'est sûrement celle qu'on a vue. Vous pouvez voir son poste d'observation en haut des falaises. Ok. Eh ben, écoutez, en vrai, je me suis dit, bah, on va y arriver large d'ici l'épisode, mais je suis pas si sûr que ça. Donc, bah, on va commencer. C'est parti, les potes, hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est pas de la... Oh, vous avez vu? Ok, il y a des trucs un peu sismiques ici, hein. Il y a des trucs un peu sismiques ici. Ok, 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 ok. Bonsoir. Ça se passe ici ou quoi, les gars? Bon, bah, on va faire du cassage de gueule dans les règles de l'art. Hop, ça c'est fait. Ok, bien joué à toi, t'as été clairement le meilleur sur le move. Ok, ça on prend. Et ça on prend. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ça, cassage de gueule dans les règles de l'art aussi. Oh là là, c'est beau ça, cette esquive, s'il vous plaît! Ok, c'est très beau ça, c'est très 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 beau. Je pense être l'un des meilleurs joueurs de Kena au monde, hein, sans vouloir me la raconter. C'est pas vrai ça, comment je vais me débarrasser du bordel là? Oh, bien joué, putain, il m'a fait un saut le bordel! Putain, d'accord, ok, je crois que je commence à comprendre, ça devient infini ça, non? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà. D'accord, ok, ok, j'ai compris, ça menait littéralement à l'infini. Ouh! Bon! Ouais, j'aurais pu me battre très longtemps, hein. J'aurais pu me battre très longtemps. Oh, regardez. Bam! Et ben voilà, c'est beaucoup mieux de cette couleur, n'est-ce pas? Ça se dit verdoyeur, tiens, j'ai totalement... Je sais pas, je dirais que oui. À vue d'œil. Ok. Rien à faire. Il a un point d'interrogation. Il se pose des questions, le Roth. Ok, bon, écoutez, y a pas grand-chose à faire. Pas l'impression. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ma récompense pour avoir affronté tous ces démons? One of Taro's memories. I should see where it leads me. L'un des souvenirs de Taro. Oh. Ok. Mais où ça mène? Attendez, mais c'est bien plus grand que ce que je pensais, en fait. C'est bien plus grand que ce que je pensais. Venez. Venez, mes copains les Roths. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas où je vais. Non. Ok. Ça, vous croyez que ça mène en plus vers la maison? Très bien. On a quelque chose à droite et un souvenir à gauche. C'est incroyable parce qu'on s'y perd en fait. Et c'est trop bien. C'est trop trop bien. Thank you.
Très bien, une petite larmichette. On va casser des gueules. Oh putain, est-ce que j'aurai le temps? Bien sûr qu'on aura le temps. Interagir, qu'est-ce qu'on a là? Oh là! Allez, ça c'est bien, c'est même très très bien. Je suis très content. Et là, si je fais ça... Ah, je me disais bien qu'il y avait un petit cadeau. Il manquait un petit cadeau. Ok, à mon avis, là, il y aura une glissade à faire. Oh là là, il y a tellement de trucs en vrai. Trop, trop bien. On va passer ici. Par contre, la soundtrack, incroyable. Elle a l'air extrêmement qualitative. Oh, Sugoi. Ah, donc on va bien direction la maison. Ça veut dire qu'on va être en haut. Et ça, hâte de voir ce que ça va donner. Oh là là. Incroyable. Les gars, chaque photo, oh là là, c'est un wallpaper. Le jeu est un putain de wallpaper vivant. Regardez-moi ça. Chaque... C'est un wallpaper, voilà. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, frérot? Là, il y a forcément des petits trucs un peu cachés, tu sais. Ouais. Oh, tu l'as vu. Attendez, bougez pas. Tu l'as vu. Tu l'as... Et ben voilà. Encore un rat en plus. Oh, il est adorable. Oh là là, ils l'ont tellement bien caché. Vous avez vu? Il n'y a jamais, jamais un bon level design. Il n'y a pas de truc pour rien. Il n'y a jamais de truc pour rien. T'as toujours une petite récompense si tu prends un risque, si tu tentes quelque chose ou autre. Là, il y avait un rebord un petit peu en dessous. Ça, ah, tu vois, qui mène à pas grand-chose. Donc, c'était pas là pour rien. Pardon. Comment je suis censé, par contre, faire ça là-haut, les gars? Alors là... C'est tout le mystère de la vie, là, non? Ok... Qu'est-ce que je suis censé faire? Là, je m'aventure, hein. Je m'aventure. Mais waouh, je sais pas quoi faire. Je tente des trucs. Je tente des moves. Oh, ils sont tellement stylés. Regardez, ils se posent un peu partout. Tellement stylés, les rottes. Ils devraient en faire des peluches. Je pense qu'ils ont un business de ouf. Je rigole même pas. Bah, vous le savez, hein. Ok... Là, on a un potentiel Disney-like, hein. S'il faut un Kena 2 avec un côté très horizon open world, RPG encore encore plus taffé, je vous le dis qu'on est face à une potentielle énorme licence. Vraiment. Ok. On a monté tout cela. Mais forcément, tout ce qui monte doit redescendre. Ok, on a un système de poulies là-haut. Je suis... Oh, ok, d'accord. Oh là là, c'est terrible. Là, c'est... On va vers l'inconnu à chaque fois. Hein. Bon, tant mieux, c'est stylé. Hein. Là, c'est littéralement de l'exploration. Ok, à gauche, on a des symboles. Je pense que là, on a un bonus. On a quelque chose, on a un petit truc sympa potentiel. Ok. Oh là là, attendez. Attendez, parce que là où je vais... Je sais pas, c'est fou frère. C'est fou les gars, elle est incroyable cette aventure. Je sais pas où je vais. Mais ça, il n'y a rien de mieux. C'est, vous voyez, c'est la définition, pardon, parfaite. Oh la vache.
C'est la définition parfaite du mot aventure. C'est... Bah voilà, tu sais pas ce qui se passe en fait. Mais c'est trop. Ok. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? C'est incroyable. Je suis en kiff, les gars. Plus on avance et... Y'a quelqu'un dedans? Oh, Miskin! Allez, viens par ici, bibiche. Allez, encore des rods supplémentaires! 14 sur 15. Ok, très content. Très content. On peut y aller. Maintenant, c'était par où? C'était par là. C'est-à-dire il y avait encore quelque chose à droite, mais c'est trop. C'est trop. Ok. Ah, on va s'approcher de... D'une forêt, non? Le pont est brisé. Peut-être que Rod peut nous aider. Prenez cette corde, les potes. Vous voulez attirer... Oh, ils sont tellement mignons. Oh, bah, par contre, ils sont balèzes, sa mère. Ça pousse à la salle, les refs, hein. Attends, parce que là, il y a aussi quelque chose. Oh non, c'est trop. Attendez, il y a trop de choses, là. Hein. C'est incroyable, hein. Oh là. Bagarre. La seule issue, c'est de toute évidence la bagarre. Ok. Allez, un coffre maudit. Coffre maudit vainquer tous les ennemis sans subir de dégâts. Ok, faisable. Oh, j'ai chaud. Let's go. J'ai chaud, mais je suis beaucoup trop chaud, surtout. Ok. Bon, on subissait un dégât, c'était annulé. Hein. C'était terminado. Je pense que tu devais finir la vague et repartir. Oh, Zougoï! Un petit nid. Un nid de petits cristaux, d'œufs de cristaux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une très belle récompense. Un petit chapeau. Oh là là, regardez. Non, mais c'est chaque... Dès que tu t'arrêtes, s'il n'y avait pas la cascade ou les petits rots ou mes cheveux au vent, c'est un wallpaper. Voilà, c'est un putain de wallpaper. Incroyable. Allez. Oh, adressez-moi ça. Vite, je ne pense pas qu'ils peuvent te tenir pendant longtemps. Ah oui, d'accord, effectivement. Et lâchez pas, les gars, sinon on est mort. Hein. Trouvez Ruzu. Cherchez Ruzu dans son poste de guerre en haut des falaises. Qu'est-ce qu'on a là? It looks like it could have belonged to one of the children. Oh, un courrier? Sugoi. Ah! Ah! Ah ouais! Cette corruption est puissante, il doit y avoir une relique à proximité, je dois la contourner. Relique trop puissante pour moi, tu es en train de dire là? Kena, ça va pas ça, hein? Les problèmes. Donc, il devait aller au village parce que c'était beaucoup trop fort pour lui. Il a pas le niveau, le P. Je le savais. Et là, qu'avons-nous là? Oh, ok, on a... D'accord. Ok. Très très bien, je suis machine. Et je bois. Ok, aïe. Et je bois. Ok. Qu'est-ce qu'on a?
J'ai déconné? Et si je fais ça? Oh, j'ai déconné, je crois. Ok, vous êtes prêts? Et je bam! Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Mort. Tous morts. Et là... Bouh! Régalez-moi. Encore? Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mince alors. Mince alors. Ah, d'accord. Je pense avoir saisi toute l'opportunité. En fait, il fallait le déplacer, ça va faire écho. Bam, 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 bam. Voilà! Let's go! Il y a des énigmes très bien pensées. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On y va. Oh là, ça fait déjà 30 minutes, les potes. Terrible. Terrible. Ok, on va passer par ici. Ah, quoique, il y a peut-être quelque chose en bas, non? Je ne sais pas. Non. On va éviter les problèmes. Quoi? Ok. Très bien. Jusqu'ici. On allume tout, tout va bien. Oh là 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 là, Sugoi. Allez, le boss! C'est pas l'enfant quand même. C'est Kappa. Bah dites donc. Ah oui. Ok, t'es un tricheur. C'est d'ores et déjà un tricheur, c'est évident. Très bien. Salopard va. Je pense que il faut que je fasse comme ça. Let's go. Bien joué. Ok. Mid HP, c'est très très bon ça pour les stats. Allez, viens par ici, bibiche. Ok, là j'ai le choix entre les soins ou je le réaggro. Allez, renvoie un dernier. Donc là, faut remplir la petite jauge en bas où je peux utiliser les rods. C'est fait. Maintenant, comme ça. Boum. Boum. J'brie. J'brie. Ok, bien wesh. Ah, trois fois, comme dans tous les jeux vidéo, bordel. Ok. Ah, en fait, ok. Bon, jette-moi un bail. Quoi? Non, 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 c'est beaucoup ça. Pardon. Très très chaud. Très très chaud. Ok. Oh la vache. Incroyable, c'est bon, j'ai récupéré toute ma vie, je suis boss. Oh la vache, est pas facile, hein. Ok. Envoie-moi un monstre, mon ref. Bon, là, j'ai fait choisir... j'ai choisi, pardon, le plus de vie. Allez, adieu, mon pote. Yeah. Et je voulais. C'est fait. Régale-moi de ta splendeur. Ok. Eh ben, on est très bien. Nous découvrirons lors du prochain épisode ce que cache évidemment la suite de nos aventures. Mais avant cela, nous avons quelques coffres
à récupérer. C'est une récompense digne de ce nom. Et oh, régalez-vous les gars. C'est pour moi, c'est bébé qui régale. Ok. Et ben voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.